Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va partir sur le découpage du titre de Fantomas sur une jaquette Amstrad CPC. Donc c'est juste un petit tuto rapide, je vais pas faire le titre en entier, ça serait bien trop long, mais c'est pour montrer un petit peu à Snapple qui voulait des précisions sur la découpe d'un logo compliqué sur une jaquette dont lui ne se sentait pas capable. Donc en fait c'est jamais vraiment compliqué, il faut prendre l'outil que on voit là, la plume, la première, toute simple. Et de cet outil, on va pouvoir entourer l'objet qu'on veut découper avec une forme vectorielle. Et de là, on va avoir quelque chose de vraiment très très propre. C'est-à-dire que, vous voyez, je pose un premier point. Là, je sais que je vais avoir mon deuxième point. Au milieu, c'est un petit peu sombre, donc on dirait en fait qu'il y a une espèce de léger petit arrondi. Donc je fais une espèce de petite courbe. Et en fait, tout le secret de la plume, c'est que si on fait des lignes droites, on pose ses points, on les enchaîne, et du coup faire un découpage d'un titre très carré, c'est très 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 simple. Si on veut faire le découpage d'un titre comme celui-là, qui est tout biscornu, donc c'est l'intérêt de ce tuto, il va falloir donner des formes à ces vecteurs. Donc on a besoin que de deux touches, la touche Alt et la touche Shift, et la souris avec le clic gauche. Donc avec le clic gauche, je pose un point, deuxième clic gauche ici, je pose le deuxième point, sauf que je ne relâche pas la pression sur le clic gauche, et j'ai tiré pour donner une force à mon vecteur. Si je veux revenir dessus, le vecteur il a un point dessus, je peux appuyer sur la touche Shift, ça transforme ma plume en flèche, et je peux à loisir venir retoucher la force du vecteur. Après, si jamais je repartais directement en me disant hop, maintenant il faut que je vienne ici, ben vous voyez le vecteur il fait une espèce de courbe parce qu'en fait il a gardé la force précédente, elle est toujours dessinée, et en gardant cette force là, hop, il est venu ici. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Donc à chaque fois qu'on veut faire une découpe ici et donc pas un dessin où on a besoin de conserver la force précédente, on a besoin d'arrêter donc cette force et de la supprimer. Donc là je fais un CTRL Z pour revenir en arrière et donc je l'appuie sur Alt. Et avec le Alt appuyé, j'appuie sur le dernier point. Et ça supprime la force de départ. Mais ça a laissé la force d'arrivée que j'avais besoin pour l'arrondi précédent. Et du coup, par exemple ici, je clique là. Maintenant, voilà, il n'y a plus de problème. Après, je clique ici, je ne relâche pas. Je mets un petit arrondi. Alt, je tue la force. Je clique ici. Là on dirait que la forme elle est un peu plus complexe, alors après bon évidemment hein, quand c'est un petit peu flou comme là il faut pas hésiter un petit peu à se dire qu'on invente un petit peu le contour de la forme. Voilà, ça me plaît pas, donc je vais plutôt faire voilà avec une petite force, mais vous voyez j'invente, j'extrapole, j'essaye de, là j'ai l'impression que ça fait une espèce de vague un peu dans ce sens. J'enlève la force et hop là ça repart dans l'autre sens. Et arrivé ici, il y a un petit décroché. Et de ce petit décroché, il fait ça ici. J'ai voulu tricher, elle est trop vite. Il faut d'abord venir là. Et voilà, l'avantage des vecteurs, c'est qu'on peut vraiment dessiner des formes très très précisément. Et surtout, on peut revenir en arrière. On n'est pas bloqué quand on a posé son point à se dire zut, je l'ai mal posé, ma sélection est foireuse, il me faut tout refaire. Enfin voilà, avec le lasso, tout ça, c'est horrible. Moi, j'utilise plus depuis des années. Et là, vraiment, je peux dessiner comme je le sens, hop, prends mes points. Après, il faut une souris avec un minimum de précision aussi, évidemment, pour pas galérer. Et là, voilà, j'essaie de ressentir un peu la forme comme elle était. On va dire qu'elle va venir jusque là. Alors, j'ai pas besoin de faire une découpe précise parfaite parce qu'à la fin, comme elle est toute blanche, on va pouvoir faire une petite triche avec un contour, vous en doutez bien, mais déjà le but c'est que là on soit sur quelque chose de propre. Là il fait une petite arrondie, tac, là, voilà.
va donner ça. Là, il y a un petit peu de design avec des petits pics. Mais c'est... Mine de rien, c'est... Ah non, je suis allé un peu loin peut-être. Voilà, comme ça. C'est assez rapide, hein, c'est pas... Après, faut pas y passer sa life. Faut ressentir le truc, dessiner sa lettre. Mais au final, on va quand même assez vite. Là, le P qui avait l'air ultra compliqué. On s'est dit, oula, mais je vais jamais arriver à découper ça. Ben en fait, si. CTRL Z. Là, et là. Et là, pour moi, en tout cas, c'est largement suffisant. Après, on peut aussi, d'ailleurs, quand on a des points à aligner sur plusieurs lettres, des lettres plus modernes que celle-là, par exemple, hein, où on voudrait qu'elles soient toutes sur la même hauteur, on peut s'amuser, par exemple, à prendre dans la barre en haut de graduation, on peut mettre des lignes comme ça, qui nous servent normalement à caler nos calques ensemble, mais ça peut permettre aussi de caler toujours un point à une même hauteur, en haut, en bas, et du coup être vraiment à raccord nickel, plutôt que d'essayer d'inventer où on doit mettre les points, que sur une forme moderne, ça va se voir si jamais on n'a pas été bien précis. Voilà, et quand on a mis des trucs comme ça, en appuyant sur Shift, on peut les resélectionner, hop, et les revirer. Donc là j'ai fait mes points, une fois que j'ai fait mes points, je vais dans tracé, clic droit sur le tracé, définir une sélection avec 0 de rayon parce que je veux pas qu'il améliore ma sélection ou qu'il la déforme, je fais OK et là il a transformé mon truc en sélection. Du coup je fais CTRL-C, CTRL-V, alors j'ai dû me tromper quelque part, ah j'ai fait CTRL-X, j'ai fait couper, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma forme. Je rajoute un calque. Alors celui-là, je le double-clique. Par exemple, on va l'appeler dessin. Ça me permet de mettre en dessous masque. Donne des noms, hein, parce que là, je suis en live. Après, forcément, quand c'est des dessins que je garde, je nomme tout, je fais des dossiers, etc. dans mes calques et tout, c'est ultra pratique pour revenir sur un dessin par la suite. Quand c'est pas pour le garder, bon, il n'y a pas besoin de leur donner de nom. Après voilà, j'aime bien faire comme quand on fait du dessin de sprite pour un jeu vidéo, me mettre sur le fond rose. Après, des fois, quand j'ai besoin, je me mets sur fond blanc ou sur fond noir quand les contours sont blancs ou noirs pour voir. Bon là, déjà, voilà, c'était pour voir sur fond rose si jamais j'avais laissé des trucs qu'il fallait pas. Et avec le fond rose, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où j'ai laissé peut-être... Zut, je suis pas sur le bon calque. Là, par exemple, vous pourriez dire que j'ai peut-être laissé un peu trop de noir, donc je peux avec la gomme, tac, essayer de gommer un petit chouïa. Mais c'est vraiment juste... Avec la gomme, c'est pareil, on peut cliquer à un endroit. Par contre, du coup, après, là, c'est pas CTRL, c'est SHIFT. Et avec Shift, si jamais je clique là, hop, il a tracé il a fait un coup de gomme tout droit. Voilà. Voilà. Bon, après le reste, de toute façon, ça va, c'était juste pour chipoter. Donc, on va dire que si après, évidemment, il me reste le centre à faire. Donc, le centre, ben, il est encore plus tordu, mais finalement, comme je trace des vecteurs arrondis, on s'en fiche. Donc, là, avec CTRL. Je déplace, je le remets comme il faut parce que j'étais mal parti. Alt, je tue la force du vecteur. On revient en arrière. Tac. On vient là. Hop. Hop. Et après là, on vient juste à côté. Ici. On est un petit peu obligé d'extrapoler puisque c'est tellement pixelisé, il aurait fallu avoir une image dans une meilleure résolution pour faire un truc plus net. Mais le principal c'est qu'à la fin on verra pas la différence. Faut bien se dire que le logo après il fait
fait 400 pixels. Vous faites du contouring en fait. On y est presque. Voilà. Et là, tracé. Définir la sélection. Ok. Supprimer. Et vous voyez, c'est super propre. J'ai ma lettre P. Après, pour la fignoler, double clic sur le calque. On demande un contour. Du coup, là, il nous faut un contour intérieur de 1 pixel, c'est suffisant. Et on va demander un contour du même blanc que la lettre d'origine. Et du coup, là, on voit bien que ça la grossit un petit peu parce que ça prend vraiment même les parties de la lettre qu'on ne voit pas. Mais ça donne, voilà, ça donne vraiment la lettre super nette. Là, on s'aperçoit qu'il y a un petit trou que j'ai pas fait. Voilà, je le fais à l'arrache à la gomme, hein, ça passe très bien. Voilà, donc là j'ai la lettre P. Il suffit de reproduire ça pour toutes les autres lettres. Mais bon, ça va être rapide, hein, mais ça a pris quoi? Alors on a mis 10 minutes. 10 minutes pour faire une lettre, je l'ai fait tranquille, je vous ai expliqué. C'est tout simple. Et si la lettre après je la mettais sur fond noir, elle est vraiment parfaite. Donc je récapitule. Avec la plume, on pose des points. Ces points, on peut à tout moment cliquer dessus sans touche, sans rien, pour en supprimer un si on en a un qui nous gêne. On peut venir sur la ligne, recliquer pour en rajouter un si on en a oublié un. Avec la touche CTRL, on peut venir prendre un point, le déplacer. On peut venir avec CTRL toujours jouer sur les forces des vecteurs. Avec la touche ALT, on peut venir cliquer sur un point pour lui enlever toute force complètement. Et bon, là du coup on repart sur une forme carrée, donc je CTRL Z. Ou venir pour désolidariser, parce que là vous voyez j'ai les deux côtés qui se tiennent, mais si je veux faire quelque chose de différent à droite et à gauche, j'appuie sur ALT sur un des deux côtés. Et là ça y est, comme j'ai désolidarisé, ce côté là je peux le partir dans ce sens là. Et ce côté là je pourrais le faire comme ça. Voilà, là je me suis créé hop, ma petite sinusoïde. Et après quand on a fini, je viens ici, hop, je l'ai resélectionné. Et là de nouveau, ah non c'était là le dernier. Je continue ma forme. Et quand j'ai fini ma forme, je la ferme. Tracé, clic droit, définir une sélection, ok. Et là voilà, on a la sélection qu'on va pouvoir supprimer ou remplir d'une couleur ou inverser et du coup supprimer tout ce qui est hors de la sélection, etc. Mais ça permet d'avoir des sélections ultra précises. Et tant qu'on n'est pas en mode sélection, tant qu'on est toujours en mode vectoriel, elle est modifiable à l'infini, on peut revenir dessus tant qu'on veut. Voilà, sur ce, ben maintenant à vos plumes, amusez-vous bien et bonne fin de journée.